Yo la team, c'est Keroz. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui on va se faire une petite maison réaliste. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait, donc on est dans le quartier résidentiel et on va pouvoir se faire ce petit tuto. Donc avant de commencer ce tuto, je voulais juste vous prévenir que je suis disponible sur TikTok et Instagram. Donc je compte vraiment sur vous pour me rejoindre sur ces deux réseaux sociaux et le partager avec vos amis pour retrouver encore plus de contenu que sur ma chaîne YouTube. Voilà, la parenthèse est terminée. Donc on commence tout de suite par sélectionner nos blocs. Donc on aura besoin de béton blanc, de planches de chêne, de béton gris, des vitres gris clair, des murets en ardoise, des abîmes taillés, des murets en pierre taillée, des pierres lumineuses et des enclumes. Donc c'est parti, je vais me positionner sur le terrain et on peut commencer ce tuto. Ok les amis, donc on prend tout de suite du béton blanc, je vais me positionner par là, hop, je place comme ceci, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 10 blocs comme ceci. Une fois que c'est fait, je laisse un petit espace de 1, 2, 3 et 4 blocs, et au cinquième je pose. Donc ici je peux dorénavant remonter mon muret sur 3 blocs de hauteur. Donc une fois que j'ai remonté mon muret, je continue un deuxième comme ceci. Hop, voilà, qui est parfait, donc sur la même longueur. Donc là on est pas mal. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens par ici, je pose un bloc. Là je laisse 3 blocs, 1, 2, 3, 4... 4 blocs comme ceci d'écart. Ensuite je repose 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là on a 7 blocs comme ceci. Ensuite on prend des planches de chêne. Mais avant on va revenir comme ça dedans. Voilà, qui est parfait. Un troisième. Donc là ici je prends mes blocs de chêne. Donc là je vais faire une petite fenêtre comme ceci. Là, ça sera la porte d'entrée. Donc on peut déjà, hop, remplacer ces blocs-là pour y mettre un bloc en planche de chêne. Pour la porte, c'est libre à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Donc moi, je prends la porte en chêne, étant donné qu'elle est très jolie sur ce pack de textures. Je vais la placer, hop, comme ceci, vers l'intérieur, afin d'avoir un petit peu de relief là-dedans. Là, je peux placer mes deux vitres gris clair. Donc une fois que j'ai fait ça, je reprends mon béton blanc. Et je crois qu'on va être limite en place. Je refais la même chose comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, donc là je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là c'est parfait. Je vais juste tourner la maison dans l'autre sens histoire que ça soit clair pour tout le monde. Donc voilà, là c'est déjà plus clair. Donc on en était là, on avait fait nos 7 blocs. Donc une fois qu'on a fait ça, on passe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 blocs comme ceci. Ce qu'on va faire, on va faire un peu plus grand derrière. Donc ici on en avait 10 aussi, on va faire 11 et 12. Voilà. Donc ça c'est parfait. On a 2... chiffre impair, donc ça c'est bon, c'est surtout pour le toit ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on est bon. Donc là ensuite, je vais revenir gentiment, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc là on est bon, et de l'autre côté je vais faire pareil, je vais revenir sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, on est bon. Et puis, comment on pourrait faire de ce côté-là? On pourrait se faire un truc assez sympa. Avec... on pourrait faire avec du béton gris, pourquoi pas. Là, on fait 1, 2, 3, 4. Hop. Et ici, 1, 2. Ça nous fait un mur de... Ouais, ça nous fait une baie vitrée de 3 blocs. Donc c'est pas trop mal. Tac tac tac. Je suis en train de réfléchir. Mais le truc c'est que... Vous savez quoi, on verra. On verra, on va laisser comme ça pour le moment. Donc là déjà, ce qu'on peut faire, c'est remonter la totalité des murs sur 4 blocs de hauteur. Donc uniquement pour les blocs de béton blanc. Bien entendu, on ne touche pas à ce mur-là qui, lui, restera sur 3 blocs de haut.
Mais là, on peut déjà remplir donc tous les autres murs blancs sur 4 blocs de hauteur. Comme ça, on n'aura plus qu'à percer nos fenêtres et à placer nos vitres. Donc voilà, une fois qu'on a remonté tout ça sur 4 blocs de hauteur, là, on fait la même chose avec les planches de chêne. Et ensuite, on prend nos bétons gris et on les ramène sur 2 blocs vers l'avant du bâtiment. Donc là, c'est parfait. Ouais, c'est vraiment pas mal. Après, je suis en train de penser, on pourrait peut-être même faire ça en dalles. Ça sera peut-être plus joli, je pense, avec des dalles de roche lisse. Parce que là, ça fait comment dire, ça prend beaucoup de place, quoi. C'est envahissant. Donc, je pense que si on en met, hop, comme ceci, ici, ça sera beaucoup plus joli. Voilà. Donc après, libre à vous, selon vos goûts, vos préférences, de faire différemment. Par contre, ce sera peut-être encore mieux de les mettre ici. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Ok, donc là, c'est parfait. On va faire nos... nos menuiseries, donc les fenêtres, tout ça. Mais je suis en train de penser, on peut peut-être reprendre nos bétons gris comme ceci, afin de faire la porte de garage. Donc là, la porte de garage qui fait 4 blocs de largeur sur 3 blocs de hauteur. Et là, on peut retirer hop, les blocs comme ceci, et c'est parfait. Donc, pour les fenêtres, à l'avant, ici, on va se faire une petite fenêtre ici. Hop. Donc là, à 2 blocs, on en fait une de 3 blocs par 2 blocs de hauteur. Je remplace tout ça par des vitres gris clair. Là, on est bon. Ici, on peut se faire une petite fenêtre là. Et après, on peut s'en refaire une autre juste ici, comme ceci. Hop, voilà ce que ça donne. De ce côté-là, on peut très bien se faire une fenêtre ici. Hop. Ouais, puis on va faire 3 blocs, ça sera peut-être plus joli. Et puis une deuxième juste là. Voilà. Là, c'est parfait. De ce côté-là, par contre, on va se faire des petites baies vitrées. Comme ça sera côté terrasse. Donc là, on va faire à 2 blocs de chaque côté. Voilà, ce qui fait qu'on a une baie vitrée de 4 blocs sur 3 blocs de hauteur. On fait la petite technique de d'habitude, on creuse sur 2 de profondeur, on replace des enclumes par-dessus. Vous verrez que le résultat sera magnifique la nuit tombée. Ça va vous faire un super jeu de lumière, entre guillemets, avec les pierres lumineuses et les enclumes. Et ici, sur ce grand mur, bah, on peut en faire 2. Donc, attendez, là c'est le garage. Donc le garage, on va faire simplement des petites fenêtres. Donc là, je vais me mettre à l'intérieur du garage. Ici, on peut remettre des blocs de cette manière-là. Voilà. Et ici, donc, on va faire une fenêtre ici et une fenêtre ici. Voilà. Donc là, hop, je place mes vitres. Et sur l'arrière du bâtiment, on va faire une fenêtre comme ça. Donc là, pierre lumineuse, enclume. Hop, hop, hop. Donc là, on en a fait une où ? Là. Et après, on se remet en face de la porte de l'autre côté. Histoire que ça soit assez symétrique. Et on en refait une à ce niveau-là. Hop. Et les vitres. Donc là, on est bon. Une fois qu'on a fait ça, on peut se refaire donc une petite baie vitrée ici. Donc là, comment je pourrais faire ça? Parce que en fait, après au-dessus, ça va être différent. Donc parce que là, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être remettre comme ça. Je sais pas trop comment en faire, les amis, ici en fait. Comme on a deux mesures différentes, mais c'est normal, hein. Parce qu'en fait, après, on aura un étage au-dessus. Et du coup, c'est là que ça va être différent, en fait. Parce qu'après, je pourrais très bien faire, par exemple, le même effet que de l'autre côté. Hop, comme ceci. Et là, ça nous fait une baie vitrée de 3 blocs. On va faire ça, je pense, d'ailleurs. Donc là, on creuse. Pierre lumineuse, enclume. On va essayer d'être créatif. Ensuite, les vitres.
Hop et hop. Ici, ce qu'on peut faire, c'est une fenêtre de 3. Voilà, comme cela. Et c'est très bien comme ça. Ok, donc là, on va passer au deuxième étage. Donc le deuxième étage, lui, il va partir donc d'ici, je pense. Donc là, par contre, il faut l'aligner par rapport aux planches de chêne. Donc là, on place un bloc ici. Ensuite, on va les emmener comme ceci. Pas trop loin non plus. Hop, on va l'emmener jusque là, je pense. Jusque là, ouais. Allez, on va remettre un bloc. Ça sera plus joli, c'est surtout au niveau du toit, en fait. Voilà, donc là, on a posé combien de blocs? On en a posé 14. Donc là, vous allez jusqu'ici, à l'endroit de la fenêtre. Et ici, où il y a le garage. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est bon. Là, ce qu'on va faire, on va retourner derrière. Donc, jusqu'ici. Ouais, jusque là. Donc là, on a posé combien de blocs? Là, on en a 7. On revient jusqu'à derrière. Hop, comme ça. Et là, tac, on revient comme ça. Donc là, c'est pas mal. Sauf pour la baie vitrée qui, elle, devrait être juste en dessous, là. Donc là, je vais enlever tout ça. Je vais vous montrer un petit peu mon idée de départ. Et du coup, là, on va s'aligner ici. 1, 2, 3, 4. Hop. On va faire un espèce d'arche comme ceci. Afin de former notre baie vitrée. Donc là, je recommence. On creuse de deux blocs. On place les pierres lumineuses et les enclumes par-dessus. Les vitres. Et le tour est joué. Et du coup, là, hop, je prolonge mon mur jusqu'ici. Je remplis tout ça. Et c'est parfait. Donc là, on est bon. Je peux enlever tout ça. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Ok. Donc là, une fois que j'ai fait ça, tac, tac, tac. Ce qu'on peut faire également... Ouais, non, on va garder comme ça, c'est très bien. Ok, donc là, on est bon. Donc le sol... Le sol du premier étage, où c'est qu'on pourrait le mettre? Je pense qu'on va le mettre... on va le mettre ici. Donc là, on remplit tout ça en béton blanc. Et une fois que j'ai fait ça, je peux faire un mur de, disons, 3-4 blocs de hauteur, comme ceci, partout autour de la plateforme que l'on vient de créer. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on prend nos vitres gris clair et cette fois-ci, on va faire les fenêtres. Donc là, je remonte de 2 blocs, je me décale de 2 et j'en fais une première de 3 blocs juste ici. Voilà, qui est parfait. Et ensuite, je vais en refaire... une petite ici et une autre ici. Donc là, c'est parfait. Voilà ce que ça donne. Là, sur les côtés, on n'en fait pas. Et derrière, on va faire la même chose. On va faire 1, 2, 3 comme ça. Voilà, vous faites juste des fenêtres en face des unes des autres. Une ici à 3 blocs et une ici à 2 blocs. À 2 blocs d'espace et 3 blocs d'espace. Donc voilà. Comme ça, pas de confusion possible. Et cette fois-ci, je vais remettre tout simplement un tour de béton blanc sur tout l'étage en bas de la maison. Ok les amis, voilà qui est parfait. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire notre toit. Donc cette fois-ci, pour faire le toit, on va prendre des escaliers en ardoise des abîmes taillés. Elles sont ici. Hop, je les prends. Donc là, dans un premier temps, on va faire ce toit-ci. Donc là, hop, hop là, pas à l'envers. On vient, hop, comme ceci, jusqu'au bord, et on fait dépasser de un bloc. Voilà, qui est parfait. Ensuite, je remets la même chose juste au-dessus. Voilà, qui est parfait. Là, on s'aligne bien, on ne dépasse pas. Ici, hop, je remets un bloc. Et là, c'est là que ça bloque. C'est là que ça bloque. C'est vrai que c'est pas facile à faire.
Parce que du coup, on est toujours décalé. Après, je me dis que les maisons réalistes d'aujourd'hui, elles sont faites en dalles. Donc, si je prends des dalles, des abîmes taillés, et que je refais la même chose, comment ça va rendre? Je ne sais pas. Donc là, on va essayer. Hop. C'est-à-dire que là, on se mettrait ici. On se mettrait ici. Et du coup, là, on n'aurait pas besoin de tout ce pourtour, hein, finalement. C'est vrai que je galère en ce moment avec les tutos. Je fais souvent des petites conneries dans ce genre. Et là, on remettrait, hop, de cette manière. Comme ceci, jusque-là. Ici, comme ça. Et puis on suit toujours ce modèle en escalier. C'est juste que ça bloque au niveau de la fenêtre, quoi. C'est ça le problème en fait. Sinon, il faudrait qu'on mette nos escaliers ici, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Donc là, on revient comme ceci. Hop. Voilà, qui est parfait. Et ça se trouve, ça sera beaucoup mieux comme ça, hein. Donc là, je peux remettre mon bloc. Donc quand c'est comme ça, bon, on laisse comme ça. Puis ensuite, petit à petit, tac, là j'en mets deux comme ça, hop, là je fais tac tac, etc. etc. Donc là on remonte en forme de triangle en quelque sorte. Donc là deux, tac, hop. Ouais, non mais en fait c'est pas si mal qu'on ait fait comme ça les amis. Je pense que c'est même beaucoup mieux. Donc ensuite on peut enlever ici. Parce que du coup ça ne sert à rien. Tac. Donc là je fais comme ceci. Hop. Là je ramène tout ça jusqu'au bord ici. On ne dépasse pas de ce côté-là. Là, je peux remettre mes deux blocs de béton. Ici, ça va faire tac, tac, tac. Mais comment on a fait de l'autre côté? Ouais, si, c'est ça. C'est bizarre qu'on revienne au même niveau parce que là, on a trois blocs et là-bas, on en a quatre alors. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai rien dit. De toute façon, ça passe au niveau de la fenêtre, donc on s'en fiche. Là, on revient comme ça. Hop. Et puis là, on n'a plus qu'à enchaîner, hein, comme d'habitude. Hop, ici deux, tac. Ensuite, je remets des blocs. Là, je fais un et puis deux. Je remets des blocs. Et là, je vais faire un, tac, comme ceci. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à remplir l'ensemble du toit. Et on aura déjà fini cette première partie de bâtiment. Ok, donc pour le deuxième bâtiment qui est ici, on peut renlever notre cinquième bloc de béton blanc que je vous avais fait mettre. Et du coup, bah on va faire la même chose. Hop, ici. Tac, 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 tac. On dépasse de un bloc. Là, ici, la même chose. On dépasse de un bloc. Là, je place comme ceci. Ensuite, je vais faire 1, 2, 1, 2, tac, tac. De ce côté-là, la même chose. Hop. Donc là, sur deux d'épaisseur, toujours pareil. Hop, là, on met bien le bloc du dessus. Là, on refait ici. Ensuite, on part d'ici. On va jusqu'à l'autre côté. Là, je place mes deux blocs de béton blanc. Et là, j'en replace deux comme ceci. Ok, donc là, c'est bon. Ici, on va faire comme ça. Comme ça, comme ça. Là, ça va être tac, 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 tac. Voilà. Donc là, on est bon. On n'a plus qu'à remplir tout ça. Donc là, c'est parfait. Et on n'a plus qu'à faire donc l'étage au-dessus ici. Donc là, hop, on vient comme ceci. Là, je trace une ligne jusqu'à l'autre côté. Hop, on place un bloc ici. Là, je recommence, toujours pareil, donc toujours le même système. Pareil de l'autre côté, hop, là je place dans la partie supérieure du bloc, on fait dépasser de un bloc, et hop, là, dans la partie inférieure,
toujours pareil, dans un souci de rechercher une forme triangulaire. Donc ensuite là, ça va faire 2 ici, 2 ici, et puis 1 ici. Donc là, ça fera une dalle, deux dalles, une dalle, deux dalles, et une dalle. Et là, on n'a plus qu'à remplir tout ça jusqu'à l'autre côté. Donc voilà, c'est parfait les amis. Et maintenant, pour terminer, ici, on va placer donc du bois de ici jusqu'à derrière, hop, en s'arrêtant à deux blocs. Donc là, on s'est arrêté un bloc et derrière, c'est deux. Là, je reviens gentiment ici, hop, hop. Voilà, qui est parfait. On remplit tout ça pour faire un petit abri de voiture. Donc là, on est bon. Et du coup, je vais enlever, hop, le troisième bloc de hauteur ici et je vais y mettre des piliers, donc un ici et un ici. Et là, c'est parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, les amis, bah, c'est pas mal. Ouais, on va laisser ça comme ça. Et maintenant, on va faire un petit peu de déco. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre des gouttières avec les murets en ardoise des abîmes taillés. Hop, j'en mets une ici. Ensuite, j'en remets une ici. Et ici, je vais juste en mettre une, hop, ici. Ouais, je vais enlever celle-là, parce que sinon, ça fait trop chargé. Ou alors, les... Ou alors, on peut le faire avec les poteaux... Ah bah, on a des barrières en chêne noir ou des barrières en briques du Nether. Tac, tac, tac. Ouais, on va essayer avec les barrières en briques du Nether, voir ce que ça donne. C'est peut-être mieux, hein, ça fait plus... ça fait plus raffiné, je pense. Parce que là, ça fait vraiment gros, les murets, hein. Ah, vous voyez, si on fait comme ça, c'est peut-être à peine mieux. Après, libre à vous de juger, hein. Vous ferez bien ce que vous voudrez. Mais je pense que c'est mieux. Ok, donc là, on a fait nos gouttières. Sur l'arrière du bâtiment, on recommence la même chose. Une gouttière ici, et puis une autre juste ici. Là, c'est parfait. Donc là, on laisse comme c'est. Là, on peut se faire une petite terrasse ici, si vous le voulez. Moi, je vais pas la faire, puisqu'il y aura sûrement une maison de ce côté-là. On va juste faire un petit peu de déco sur le devant de la maison. Donc là, ce que je vais faire, je vais sélectionner déjà, dans un premier temps, du gravier. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Je pourrais prendre des... Tac, tac. Oh, je sais pas trop quoi prendre. On va prendre au pif. On va faire un peu comme d'habitude. Tac. Ce qu'on peut faire, c'est les pots. C'est assez sympa de mettre des petits trucs en pot. Où sont-ils ? Ils sont là. Donc là, un pot. Moi, ce que j'aime bien mettre avec les pots, c'est du bambou. Hop. Et puis du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est déjà avec notre gravier, dessiner, hop, donc tout ici, tac, 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 jusqu'en face du mur, voilà. Ensuite, jusque là-bas derrière, donc hop, jusqu'ici. Voilà, toute cette zone délimitée, remplacer toute cette dirt par du gravier. Donc voilà, le gravier c'est fait, maintenant on va faire un petit jardinet avec une forme comme cela. Donc là, ce qu'on peut faire pour les flemmards, on prend de la poudre d'os, et vous, bah là, ça a mal spawn. Bah du coup, pour les flemmards, ne le faites pas. Non, au pire, vous allez dans bloc décoratif. Et puis vous prenez un petit peu au pif quoi. Hein. Moi je sais plus où c'est les grandes plantes. Je m'en sers pas. Voilà, vous prenez des pivoines, un rosier, de la fougère et du lilas. Tac, un lilas, de la fougère, un rosier et puis un machin ici. Le reste on met ça et puis. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Tiens, je vais mettre ça. On n'a pas l'habitude de s'en servir. On fait comme ça, et puis voilà. Donc, là, c'est tout bon.
Là, je reprends peut-être pas des dalles de roche lisse. On va peut-être mettre autre chose. Là, ce qu'on peut mettre, c'est des planches de bouleau pour créer une petite différence de teinte. Là, je fais hop comme ceci l'entrée. Voilà qui est parfait. Là, je remplace mes conneries. Et puis voilà. Donc là, ce qu'on peut se faire, c'est un petit arbuste hop ici. Ouais, c'est pas mal. Et puis voilà quoi. On a déjà une belle petite maison, je pense. Donc voilà les amis, on va arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, libre à vous de modifier comme vous le voulez, hein, les décos, tout ça, tout ça. Et puis voilà, donc c'était assez simple. C'est une petite maison réaliste comme on voit beaucoup de nos jours. Et puis voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum et à partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper la suite de notre aventure. Il y a une très grosse série qui arrive, les amis. On tient le bon bout. Donc vraiment, abonnez-vous parce que ça en vaut la peine. Voilà, pour moi tout est dit, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao bye tout le monde, c'était Kairos.